Nous voici à une semaine de notre fête de Notre-Dame-des-Neiges. Nous sommes heureux de voir que les jeunes se préparent. Nous en attendons encore un petit peu plus. Et nous désirerions beaucoup que cette fête de Notre-Dame-des-Neiges vous permette de découvrir encore davantage le mystère de l'Église. Le mois dernier, avec une cinquantaine d'entre vous, nous avons approfondi le mystère de l'Église et nous avons parlé particulièrement du Concile Vatican II. Beaucoup, évidemment, parmi vous ignorent ce grand événement de l'Église qu'a été ce Concile Vatican II de 1962 à 1965. Et nous avons voulu commencer la présentation du grand texte Lumen Gentium, et aussi nous avons voulu conclure les deux interventions que nous avons données aux jeunes en reprenant des paroles de Benoît XVI lors de son homélie d'inauguration de son pontificat. Le pape avait dit, alors que l'Église était en train de vivre le deuil de la mort de Jean-Paul II, l'Église était très éprouvée par la mort de ce grand pape, et donc voilà que Benoît XVI vient nous donner ces paroles de confiance, ces paroles qui restent gravées dans mon cœur. L'Église est vivante, l'Église est jeune. Benoît XVI n'était-il pas utopique en disant « l'Église est vivante, l'Église est jeune ». Les chiffres ne nous disent pas que l'Église dans notre Occident est en train de diminuer, que les vocations sont en train de baisser, que la pratique religieuse diminue d'une façon catastrophique. Comment le pape peut-il dire « l'Église est vivante, l'Église est jeune » ? Le pape a une vision profonde. Le mystère de l'Église, ce n'est pas simplement le mystère des membres de l'Église qui forment l'Église aujourd'hui en Occident. L'Église, ne l'oublions pas, est le monde entier. Et puis l'Église, c'est l'Église unie au ciel, c'est l'Église unie aux âmes du purgatoire. Et donc c'est toute cette Église-là qui vit de Jésus, qui vit de l'Esprit-Saint, qui est vivante et jeune. Cette Église-là, vous l'aimez. Rappelez-vous ce que Jean-Paul II, enfin pour beaucoup d'entre vous bien sûr, je vous dis rappelez-vous, c'était en 1986, c'était pour notre génération. Mais Jean-Paul II avait dit en 1986, l'Église a des rides, c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'elle n'en ait pas. Mais cette Église, c'est vous les jeunes aussi qui devez la bâtir. Et cette Église, vous devez l'aimer, car c'est votre mère. Et une mère, on ne peut que l'aimer. Alors, nous aimerions qu'en cette fête de Notre-Dame-des-Neiges, la Sainte Vierge vous donne un grand amour de l'Église. La Sainte Vierge vous aide à la servir, vous aide à prendre votre place dans l'Église. Génération missionnaire est en vue de vous aider à prendre votre place dans l'Église. Et la fête de Notre-Dame-des-Neiges sera aussi un événement d'Église, puisque nous aurons la joie d'avoir notre évêque de Villiers, Mgr François Blondel, qui présidera la messe, et donc qui sera au cœur de cette grande fête de Notre-Dame-des-Neiges, le représentant, le successeur des apôtres, qui viendra nous confirmer dans la foi et qui viendra aussi nous envoyer en mission. Alors, nous désirons pour vous les jeunes que cette fête de Notre-Dame-des-Neiges vous aide vraiment à prendre votre place dans l'Église. Aimez l'Église et ne dites pas « moi j'aime Jésus, mais j'ai un problème avec l'Église ». Non, si vous aimez Jésus, vous ne pouvez qu'aimer l'Église. Parce que Jésus et l'Église ne font qu'un. C'est cela que Saint Paul a découvert sur le chemin de Damas. Rappelez-vous, il partait à Damas pour persécuter les chrétiens. Et sur la route de Damas, il est renversé par Jésus. Et Jésus lui pose cette question, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul savait très bien qu'il ne persécutait pas Jésus, il persécutait les chrétiens. Et il a compris, en persécutant un chrétien, c'est Jésus que je persécute. Alors, vous aussi, comprenez-le, on ne peut pas aimer Jésus et ne pas aimer son Église.
Et donc cette Église, elle n'est pas extérieure à vous. Nous sommes l'Église et nous devons être ses membres vivants, jeunes de l'Église. L'Église a besoin de vous, les jeunes. Et Notre-Dame-des-Neiges veut vous aider à prendre votre place dans l'Église.